Ура! Ура! Non! Oh mon dieu, j'ai cru que j'allais sauter dans le vide. Aïe aïe aïe. Allez, boum! 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 Ah, t'as le seum, hein? Ah, ah, ah! Il est toujours aussi énervant, celui-là, hein? Moi, je peux vous le dire. Ah, mais... Oh, mais pitié, mais c'est pas possible, ça! Mais regardez-moi la puissance de ce mec! Oh là là, il ressent rien! Voilà! Ouh, magnifique! Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ce petit détail, malheureusement. Oh là, ils sont trop résistants, ils sont trop puissants pour moi. On va utiliser ça très clairement, là vous êtes dead. Aïe aïe aïe, mais laissez-moi tranquille, laissez-moi en paix. Oh. Eh ben, en tout cas, j'ai quand même beaucoup plus de facilité à affronter le Litorok Jojo que au début du jeu, hein. Ça, c'est une certitude. Oh là là, Vamedo. J'aime pas trop le donjon Vamedo. Par contre, je kiffe son design. Genre, le fait que t'as un oiseau comme ça qui vole et tout. C'est comme la lune de Majora. Genre, quand je vois la lune de Majora, je me sens toujours bien. Pourquoi y'a du vent? Oh oui! MDR, je l'ai pas touché. Vite, 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 vite. Quoi, il a rien senti? Frère, je le touche là. Attends, peut-être que l'arc de lumière ne peut pas toucher le dragon. Bon bah rip. Oh bah. Nice. Voilà, ça au moins ça se... Ça soulage, vous voyez. Voilà, voilà, ça c'est bon. C'est toujours bon, bon, bon. Je me sens bien quand je vois la lune de Majora, mais je me sens bien aussi quand je chope des minerais comme ça. Y a pas photo, c'est évident. Toute la couleur des minerais, ça apaise. Ah voilà, ça aussi ça apaise, la lune de Majora. Magnifique. Mais allons-y, affrontons les Alphos. Affrontez-moi, mécréant. Vous n'avez aucune chance. Allez, un de moins. Deux de moins. Ah mais wesh. Hey dude! 3 de moins! Mon frère! 4 de moins! 5 de moins!
Voilà, ils avaient aucune chance. Il est le sixième, je sais plus où il est, mais... Ah, mais il y en a même un septième. Hey boy. C'est trop pété l'épée de légende. Hein. Oh non, 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 arrêtez de brûler, wesh. Ok, d'accord. Pouah, 269 gemnox. Sans pour autant farmer quoi que ce soit. Hein. Oh, mais il y a un passage secret ici. Oh non, pitié. C'était juste un Korogu. Meurs! Voilà. J'ai l'impression d'ailleurs que le rayon laser du gardien est un peu débugué. Puisque je le... Bon, là, il est toujours bugué, mais je voulais... Je veux dire que je peux tirer dans toutes les directions sans avoir à me soucier des dégâts que ça pourrait potentiellement me faire. C'est quand même bien. Ah, voilà. L'overboard est tellement bien. Overboard. Nice, 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 overboard. Welcome to Skyview Temple. Hein? Nani? Mais ça, c'est le donjon que j'avais déjà fait. Ah. Même des petites références un peu n'importe où. Bon. Qu'est-ce que vous vendez, monsieur? Ah, il vend un overboard à 25 rubis. MDR. Ah bon, bah c'est pas un donjon foufoufou. Un donjon MDR. J'ai trop l'habitude des donjons, ça y est. Je deviens fou à mon tour. C'est pas un donjon. C'est un relais, voilà, un relais, j'avais perdu le mot. Allez, allons voir les piafs. D'ailleurs, petit aparté, mais je n'aime pas le nom des piafs. Je préfère largement le nom anglais, à savoir Rito. Parce que piaf, bah c'est nul, hein. Enfin, c'est pas ouf. D'ailleurs, j'ai hâte d'avoir ma moto. Hein. Moi, je vous dis, dès que j'ai fini la créature divine... Amen, la lune. Donc ouais, je disais que dès que j'ai fini les créatures divines, je vais directement dans le donjon pour chercher ma moto, hein. Ah oui, hein. Oh, musique modée. Et boy. Ah ouais, mais elle est épique, cette musique. Ah, je sais pourquoi. Ou alors, je sais pas pourquoi, mais... En gros... Lorsque j'ai installé le mode Kirby il y a pas longtemps, j'ai également installé un mode qui modifie les musiques dans les villages. Je sais pas si c'est ce mode-là qui modifie cette musique-là, mais quoi qu'il en soit, c'est possible que tous les autres villages que j'ai déjà visités, du style le village de Cocorico, le village des Limites, le village Goron, le village Zora, ou peut-être même la forêt Korogu, peut-être que tous ces villages ont une nouvelle musique. Faudra qu'on s'y rende un jour. Un jour, eh oui. On prend de l'endurance. Ah, mais par contre, cette musique est trop bien, quoi. J'ai envie de rester là et d'écouter cette musique, hein.
Bon, allez. On va quand même jouer, hein, MDR. Allez, ici, c'est un dortoir. Nous avons rien à faire ici. Bonjour, vous vendez... Ah oui, 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 oui. Ils vendent du blé. Le blé, je l'avais pas tout à l'heure, pourtant ça marchait bien. J'achète tout. De la canne à sucre. J'achète tout. Le beurre. J'achète tout. Les flèches explosives. Oh les boys, ça coûte cher. J'achète tout. Les flèches. J'achète tout. Les champignons. J'achète tout. C'est la musique qui me rend heureux, hein. Moi, j'achète tout quand il y a une bonne musique. Voilà, voilà, voilà. Ah, la nouvelle tenue. Ouais. Elle est bien modée. Son apparence ne change pas sur l'étal, mais je crois que sur moi, elle va changer. On va tout acheter. Par contre, va falloir vendre des choses, hein. Parce que là, j'ai pas assez de place. Ouh, les mouilles! Eh ben, c'est nice, ça! C'est tellement marrant comment la jupe, elle vole, là, ou avec le vent. Oh non! Oh! Pitié. Je t'ai dit, j'adore Joseph, moi. Joseph, il est idiot, mais c'est ça qui le rend drôle. Et voilà, Jonathan, il était... Oh, il faut se calmer, écoutez, lui, il est... Ah oui, cette quête. Je me souviens de cette quête, mais j'ai toujours pas compris le sens de la quête, car il y a un arbre ici, et lorsqu'on est sur cet arbre, donc sur le tronc de l'arbre, on escalade, on est censé voir une sorte d'aigle dans cette direction, mais moi je l'ai jamais vu. Du coup j'ai exploré au pif, et j'ai trouvé le sanctuaire lambda, ah, d'une manière complètement random, vous voyez. Et j'ai eu beaucoup de chance. Mais ça n'aurait jamais dû se passer, évidemment. Bon, enfin, la chance est avec moi, alors... tout va bien, j'ai envie de vous dire. Bonjour. Franchement, la musique est trop trop bien. C'est presque comme un nouveau jeu, là. Juste la musique qui change. Oh. Ouais, ouais, nice, nice, nice. D'ailleurs, je ne suis pas héritier du prodige, je suis le prodige, madame. Un peu de respect avec les humains d'une qualité supérieure. Bon, on va quand même aller dans le sanctuaire. Oh, le shrine de Birb. Birb Shrine, qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu, no way! Je déteste ce sanctuaire. Attendez, déjà on va récupérer les coffres à l'arrière. Et ensuite, on va s'occuper de ce sanctuaire à la noix que je déteste. Mais genre, quand je dis que je déteste, c'est pas une blague, ok? Je le déteste. Un truc nul. Un deuxième truc nul. Oh là là. Et un dernier truc nul. Hey boy. Bon, ce sanctuaire, je vous dis tout de suite, on va le cheese. Je le déteste, j'ai pas envie de le faire. Voilà, tout simplement.
Alors, pour le cheese, il faut monter ici. Et là, on devrait pouvoir réussir à passer, je pense. En faisant des petites manipulations. Ah! Comment est-ce qu'on va réussir à cheese ce sanctuaire? S'il vous plaît, j'ai pas envie de résoudre l'énigme. Laissez-moi le cheese! Oh mon dieu. Hey boy.